Voilà, après 1h40, je crois que c'est toujours les pépères. On est au Crêpes Paca. Donc c'est pas mal, c'est pas joli, c'est pas... Notre crêpes, il est plus beau, hein, sur la côte. En tout cas, on a une meilleure vue parce qu'ici, c'est dégueulasse. Puis en plus, il pleut. Et c'est le retour de Victor! Ça va? Ça va et toi? Ouais. La pêche? Quoi dit? Ça va? Comment ça se passe? Là, les gosses, ils sont les bouffés, ils sont en sieste. Donc, nous, avec Victor, on va s'envoyer de l'altéro. Et voilà, ça, c'est une vraie salle d'altéro. Ah, voilà, ça, on a des poids, on a des bonnes barres, du bon matos. Bon, à part qu'il y a Victor, mais c'est pas grave. Au Crêpes d'Aix, il y a vraiment de la thune. Les murs, ils sont pas finis. Ça résonne quand tu parles. C'est affreux. Et attendez, je voulais pas montrer les chiottes. Oui, parce que dans tous mes voyages, j'ai les chiottes devant. Carrément, ils ont des rouleaux de PQ, des stations de service. Les chiottes, même la chasse à dos, elle est pourrie. Putain, mon dieu. Ouais, tu vis dans ça. Après, c'est sympa, c'est grand, hein, mais c'est fini à la pisse. Fin de journée, donc là les gosses ils ont fait, les gosses, enfin, je dis les gosses, les mecs ils ont fait des barres qui étaient plus lourdes que les miennes. Il y a un gosse de 15 ans, il a tapé plus que mes max. Bref, voilà, ils ont eu 3 sessions, une le matin de 9h à midi, ils sont rentrés bouffer, se coucher, ils sont revenus, ils ont fait 1h, ils ont fait une pause de 2h et là ils ont fait 2h30, un truc du genre. Là on a un peu papoté, donc il est 19h et là je rentre à la maison. Faire 1h30 de bagnole, j'espère ne pas m'endormir. Et voilà, je vous mettrai ça sur Facebook, peut-être sur YouTube, pas sûr. Allez, à toute pisse.